Bonjour à tout le monde. Les pommes de terre. On a plusieurs choix. On peut acheter de la semence, c'est-à-dire des pommes de terre qui ont été sélectionnées, qui n'ont pas de maladie, tout ça. Ça coûte cher. On achète un petit sac, puis c'est ce qu'on sème. On peut les diviser, etc. Puis planter ça dans le jardin, puis ça va nous faire des belles pommes de terre à l'automne. Il y a un vieux truc qu'un ancien voisin m'a donné, il s'appelait M. Barré. C'était un vieux pommiculteur il y a plusieurs années, dans les années 80. Puis, il n'achetait jamais de semences de pommes de terre. Lui, ce qu'il faisait, c'est, on a toutes des pommes de terre qui germent. Parce que des pommes de terre, on met ça en noirceur parce qu'il ne faut pas que ça verdisse. Donc, quand il commence à germer, partout là, ce que ça fait, c'est que ça germe, puis ça se met à pousser, puis on a tous eu des pommes de terre qui ont fait des germes de 10, 15, 20, 30 cm de long, là, puis la pomme vient toute molle, puis on la perd. Bon. Puis en passant, les agriculteurs, tu sais, je prends toujours des pommes de terre bio, parce qu'il n'y a pas eu d'hormones pour inhiber, c'est-à-dire pour empêcher les germes de pousser. Même s'ils ont été traités, les pommes de terre qui ne sont pas bio, ils finissent quand même par germer. Les pommes bio germent un petit peu plus vite. Normal, il n'y a pas eu d'inhibiteur de croissance pour les germes qui sont là. Donc, ces pommes de terre-là sont encore belles, ils n'ont pas germé. Bon. Mais si je les avais gardées longtemps, on sait tout de quoi je suis. Elle fait des grands germes, là, puis ça, des grands germes blancs, parce qu'on garde ça à l'ombre. L'idée, c'est. Ça ici, c'est des pommes de terre que j'avais, qui avaient commencé à germer. Ce qu'on fait, c'est quand ils ont commencé à germer, plutôt que... ils étaient comestibles avant que je les mette là, sur le bord d'une fenêtre, là, mais ils étaient comestibles. On peut enlever les germes et manger la patate, mais ouais. Moi, ce que je fais, c'est quand ils commencent à germer, je les garde comme semences. Donc, je prends les pommes de terre. Ça, c'est vieux, c'est le truc que mon vieil ami, Monsieur Barré, qui est décédé maintenant, m'a enseigné. On prend les pommes de terre, puis on les met sur le bord d'une fenêtre, comme ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que le germe va arrêter sa croissance. Complètement. Fait qu'il ne viendra pas là, 20 cm, 30 cm de haut, il va rester là. Il va devenir plus gros, plus trapu, il va devenir vert, comme ça. Puis aussi, ben, les pommes de terre là sont plus comestibles parce que vous voyez, là, ils ont verdi. Les pommes de terre, vous savez qu'on ne mange jamais les parties vertes. Donc, en les mettant comme ça sur le bord de la fenêtre, ça stoppe la croissance des germes. Puis, la pomme de terre va se garder très bien. Là, ça, j'ai fait ça au mois de novembre. On est rendu le 10 décembre 2020. Et puis, les germes n'ont pas poussé. Dans l'état actuel, je mets ça sur le bord d'une fenêtre dans le sous-sol, là, c'est pas grave, là. Tu sais, on met ça à une place où que ça ne nous dérange pas. C'est une orientation. D'abord qu'il y a de la lumière, ça ne poussera plus. Moi, c'est une orientation sud-est, là, mais en autant qu'il y a de la lumière, ça ne s'étirera pas, là. Fait qu'on garde ça comme ça. La pomme de terre va retatiner, elle va perdre un peu de son eau, elle va retatiner une petite affaire, mais ça ici, les petits germes ne pousseront presque pas. Ils vont verdir. Dans le fond, ce qu'ils attendent, là, c'est qu'ils attendent qu'on les plante pour pousser. Puis dès que la terre va toucher, ça, c'est des petits débuts de racines ici, là. Puis ça, c'est les tiges puis les feuilles. Ça, c'est les débuts de racines. Les racines vont partir de là. On les voit, là. Ça, c'est les petits débuts de racines. Donc, dès qu'on va les mettre dans la terre, ils vont se mettre à pousser. Évidemment, ça va se vider de son énergie. C'est comme ça que les patates poussent. Par contre, si on met ça dans un beau terreau riche, on peut avoir 10 fois ce qu'on investit. C'est-à-dire que ça va me donner 10 fois son poids en pommes de terre quand on fait une bonne job. Fait que c'est la façon de, plutôt que de jeter des pommes de terre qui ont germé, même si les germes sont ça de long, c'est pas grave. On prend ça, on met ça sur le bord de la fenêtre. Ils vont venir vers, ça va arrêter la croissance, ça va se conserver. S'il y en a une qui pourrit sur 30 que je fais, c'est pas grave, il faut l'enlever. Tant, il faut regarder. S'il y en a une qui fait du jus, là, qu'on voit qui pourrit, on l'enlève, on la jette.
puis on s'assure que les autres soient en bon état comme ça. Mais règle générale, ça va rester comme ça, il n'y a aucun problème. Puis, c'est des patates que je vais planter, des pommes de terre que je vais planter vers le 15 mai ici, sur la rive sud de Montréal, 15-20 mai. Puis, il n'y aura pas de problème avec ça, puis je vais avoir des bonnes récoltes à l'automne 2021. Je vous remercie. Bonne fin de journée.